vidéo. Alors, elle sera en plusieurs parties. Parce que ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est tout petit. Donc, j'attendrai de recevoir d'autres choses pour vous présenter. Oui, vas-y, mon cœur. Tu peux. Alors, c'est un tout petit paquet comme ça. J'ai juste préouvert. Et oui, c'est ce que je pensais. Alors, je vais vous montrer. Attendez, je sors. Donc, c'est une toute petite toile. Et c'est pas pour moi. C'est moi qui ai fait la commande, mais c'est pas pour moi. Donc, je voyais ça quand même plus grand. Alors, ça doit être 15 par 20, mais avec les bords. Ah non. Ouais, bah si, parce que en hauteur. En hauteur, elle fait bien 15, mais en largeur, elle fait 10. Cherchez l'erreur. Chercher l'erreur. Bon, alors mon père il débute, il a envie d'essayer et du coup il voulait un petit modèle. Donc là c'est des roses. Oh, je sais pas si ça va bien sortir, mais bon, tant pis. Et là c'est une tête de mort. Et là par contre, la tête de mort, je pense que c'est suffisant. Voilà. Et en bas c'est des roses. Donc on verra bien. Je prendrai une photo quand elle aura fini et je la posterai. Je la posterai sur une vidéo, je vous en reparlerai. Donc là, il y a marqué le numéro de la série de la toile, la taille. Donc bien 15 en hauteur, mais pas 20. Là, c'est 10. Voilà, là, vous avez la feuille de route. C'est des références DMC en plus. Génial. Donc là aussi. Et la photo originale. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Je sais pas. C'est ça. Attendez, je vais pousser le papier plastique. C'est de la colle coulée, ça c'est mieux. Et puis pour un débutant, je pense que... Voilà. Pour débuter, je pense que c'est beaucoup mieux de la colle coulée parce que c'est beaucoup plus facile. Alors, au niveau de la colle... Bah, c'est de la colle coulée. La colle coulée, ça colle, mais pas pareil que un double face. Mais là, ça colle super bien. On a un kit tool avec des petits sachets qui vont être très pratiques. Alors, je ne sais pas si je vais pas lui passer un pilulier pour qu'il le fasse. Je ne sais pas, je vais voir avec lui. Un pan colle, une gamelle classique, le stylo classique. Il n'y a pas de multiplacer, mais bon, ça, il débute, ça va être suffisant pour lui. Et alors là, je vais vous montrer les pierres. Alors, je suis désolée, vous entendez la petite. Mais je tourne ma vidéo tout de suite, comme ça je vais pouvoir lui donner. Et il va pouvoir la commencer. Donc là, vous verrez peut-être un peu mieux. On voit en dessous, c'est des roses. Mais bon, peut-être ça fera juste un effet rouge. Donc là, on a la feuille de route. Qui est top. Il y a une petite photo. Il y a des explications. Pour le vendeur, je vais vous dire c'est qui. Donc là, on a les explications. On a la feuille de route. Ça doit être le nombre de sachets qu'il y a, je pense. Voilà, ça c'est plutôt top. Ça a l'air d'avoir été vérifié, donc je vais vérifier quand même moi avant de la donner à mon frère. Et les sachets sont plutôt bien. Franchement, ils ont l'air d'être de bonne qualité, les sachets. Je vais vous montrer, regardez. Le numéro est super visible. Ils sont un peu plus épais. Désolée pour le téléphone. Alors ça, je suis toujours embêtée avec le téléphone. Donc voilà. Donc on a des jolies couleurs. On a du rouge. On a du... C'est un marron ça. On dirait du noir. C'est un 33-71. Du 720. Un autre marron. Il y a du jaune. Franchement, et puis les sachets sont top. Ils sont bien épais. Et puis surtout, ils sont tous bien marqués comme ça, là. Ça, c'est top parce que... Sur certains sachets, quand c'est écrit en noir, on a du mal à voir. Mais là, non, 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 top, 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 666. Voilà, c'est top, top, top. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais vous dire... Beaucoup de voilà. J'ai été sur Shein. J'ai vu qu'il y a des diamants de painting. Je vais les contacter.
Je vais les contacter parce que j'ai vu que sur Instagram, il y a beaucoup, beaucoup, même sur YouTube, de partenariats avec Shein. Et du coup, je me disais que pourquoi pas essayer de les contacter et de faire un partenariat avec eux, mais par rapport au diamond painting qu'ils ont. Bah, peut-être aux vêtements aussi s'ils veulent bien, mais au pire, déjà sur des diamond painting, ça serait pas mal. Alors, la boutique, c'est quoi? Le vendeur, c'est Mass Troll Store. Donc, hop, on va aller sur. Donc voilà, bah, il est plus disponible. Là, vous voyez, c'est ça. C'est ça que ça doit rendre. Et il n'y avait qu'une taille, de toute façon. Et là, vous avez le nom de la boutique. Mass Troll Store. Voilà, il est plus disponible, mais il n'y avait qu'une taille. C'était vraiment une taille. Donc je pense que les roses, elles vont pas rendre aussi bien peut-être. Mais bon, c'est pas grave, ça fera un effet flamme, un effet rouge, rouge jaune, ça devrait être pas mal. Et donc je l'ai payé 2,61€ et je l'ai commandé le 15 janvier et on est le 8 février. Donc un peu plus de 15 jours pour le recevoir, ça n'a pas été trop trop long. Donc voilà. Donc je vous laisse ici et puis je vous reprendrai dans une prochaine vidéo. Enfin, dans une prochaine partie de vidéo. Fatigué, c'est lundi. C'est lundi, c'est la fatigue, lol. Allez, à plus tard. Voilà, on se retrouve, on a un autre jour et j'avais laissé la vidéo ouverte parce que je dois recevoir encore quelques petits colis. Et du coup, on montrera la vidéo en un seul morceau. Donc là, j'ai reçu un petit paquet comme ça. J'ai juste ouvert là pour pouvoir être tranquille. De toute façon, je savais ce que c'était. Voilà, c'est des stylos pour monsieur. Parce que la première fois, en fait, que j'ai commandé sur Wish les stylos comme ça, monsieur se sert que de cela. Et ils avaient été perdus. Et du coup, ils m'ont été remboursés. J'ai recommandé et ils sont arrivés. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais en ouvrir qu'un pour vous présenter. Du coup, j'avais tapé je sais plus quelle couleur. C'est super compliqué de comprendre leur couleur. De toute façon, on s'en fout. Hein. C'est pour nous, c'est pour la maison. Donc, il est comme ça. Et l'embout, en fait, à force, il s'abîme. Hein. Ce monsieur, il en a depuis 2-3 ans à peu près qu'il en fait, lui, du diamond painting. Et les deux premiers commençaient à être vraiment morts. Et on a essayé de changer la mine là. On peut pas. On peut pas. Je l'ai cassé en voulant la changer. Donc, voilà. J'en ai donc du coup 5, on a de quoi faire. Je vous fais de gros bisous. Non, lol, je me suis trompée. On va laisser encore ouverte parce qu'on doit recevoir encore des colis. Donc à tout à l'heure, à plus tard.